Tu crois qu'il y en aura assez, Sunny? Hein? T'as déjà entendu parler des réactions exothermiques? Quoi? Les réactions exothermiques. Après tout, tu verras bien. Oh, quelle merde! Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous êtes prié de faire attention ou je me verrai dans l'obligation de vous supprimer votre bec basé. Fraser, t'as vraiment décidé de te suicider? Crois-moi, tu pourrais l'oublier. Lâche-moi, je travaille, Billy. C'est la plus grande parade de l'année, alors laisse-moi tranquille, tu veux bien? Je te signale que c'est Samuel qui est chargé des photos. Fraser, tu sais que si Todd Lapprock te pique en train de photographier Ginny encore une fois, tu vas te faire assassiner. Merde, elle est vachement culottée. Calme-toi, Fraser, c'est qu'une mini-jupe. Dis-moi, t'as prévu de passer l'hiver? D'accord, je dérange, figé. On se verra en classe. Un peu de silence, nous allons accueillir l'équipe la plus victorieuse de l'histoire de notre collège, les quarterbacks et leur capitaine, Todd Lapprock. Leur défenseur, Charles Denton. Les tigres vont pouvoir se rallier. Allez, allez. Ça y est. À moi maintenant. Nous verrons non, demain encore une ce qui distingue une autre fois. L'avenir nous le dira. En tout cas, on peut dès à présent leur tirer notre chapeau. Dis-moi, Fraser, tu crois que j'ai une chance d'avoir une page dans le bottin de l'année? Bien sûr, c'est du tout cuit. T'es trop mignon. Et maintenant, en avant le fanfare.
un problème? Ah, c'est toi. Alors, quoi de neuf? On n'a pas eu une petite discussion, tous les deux? Comment? Rafraîchis-moi la mémoire, Carl. On avait parlé de quoi? De ce fauderge qui avait plus intérêt à mitrailler Ginny. Ça te rappelle quoi, ça? C'est Ginny? attends, tu vas voir. Pas mal, hein? Avec celle-là, t'es bon pour le bottin. Ah ouais? Monsieur Wormsley veut une page de couverture pour la section athlétisme. Et je crois que j'ai trouvé cette page. Ouais, et les photos de Ginny? Eh ben, il nous fallait des photos d'elle pour la bourse de meneuse de banc. Il file une bourse aux meneuses de banc? Ah oui, oui, bien sûr. Todd, son rêve, c'est de te suivre jusqu'à la Coupe du Monde. D'accord, on se tire. Allez. Bonjour. Ça va, mon fils? T'as déjà fini? On n'a pas cours cet après-midi, le prof est malade. Voilà, votre reçu est dans le sac. Comment va mamie? Oh, tu connais ta grand-mère, un soupçon de grippe et le monde doit s'arrêter de tourner. Je te rappelle que je ne veux personne à la maison quand je ne suis pas là, c'est bien compris? Même pas Billy? En particulier Billy. Alors j'irai chez lui, on doit réviser l'examen pour les bourses. Très bien. Maman, il faut qu'on en parle. C'est une super occasion pour moi. Je ne veux plus en discuter, Fraser. Tu connais ma position sur cette université, c'est trop loin. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bon, alors, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. À la rivière à 3 heures, t'embête pas pour le maillot, Todd. Jette un œil. Je jette. Hein? Qu'est-ce que tu lui as fait à ce pauvre Fraser? T'as vu comme il en passe? Rien, je t'assure. Ginny! Ginny!
c'est? C'est qui ce moreux? Qu'est-ce qu'ils font là? Mais t'es complètement fou! Stop! Stop! Fais quelque chose, dépêche-toi! Mais merde! Stop! C'est dégueulasse! Ginny! Ginny! Reviens tout de suite! Je vais chercher de l'aide! Non, non, récupère mon pied! Non, pas non, tu vas faire bouger! Lâchez-la! Lâchez-la! Arrêtez! À la voiture! Ça, c'est vraiment un coup, Jenny. On venait de finir un truc en beauté. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec cette petite pétasse? J'ai dit la ferme. Je savais pas que ce gars-là avait un flingue. Et comment j'aurais pu le savoir? Tu sais que t'as un pois chiche dans la tête. C'est pire que ça. T'es l'empereur des pois chiches. Tu le fais exprès ou quoi? Cette pisseuse peut aller nous balancer. Y'a qu'à la flinguer. Mais ça va pas! T'as pas le droit de vote! Écoutez, mon père vous paiera tout ce que vous voulez. Il dirige une banque. Vous pouvez pas me tuer? Bah, bien sûr que si, on peut. Tiens, je vais te montrer. Arrête! Mais qu'est-ce que tu vas faire, hein? Mais vous allez arrêter votre cirque tous les deux! Faut que je réfléchisse, d'accord? C'est simple, il suffit de... Ta gueule! Ta gueule toi-même! Ta gueule toi-même! Toi aussi, ferme-la! Merde, vous êtes plus chiant que des lardes! D'accord. D'accord, pisseuse. On va essayer ton truc. Oui, oui, monsieur Grafton, s'il vous plaît. Eh oui, je sais que la banque est fermée. Et dites-lui que c'est important, ça concerne sa fille, compris? Quel con. Alors, dès que je les ai vus, j'ai senti les ennuis. J'ai essayé de protéger Ginny, mais le plus jeune a été trop rapide. Et il avait une arme, je vous l'ai déjà dit. Oui, une cinquantaine de fois. Ah bon? Il m'a fichu par terre avec son arme, et ils ont empoigné Ginny, et s'en sont servis comme bouclier. Je pouvais rien faire. Je le jure, j'ai essayé, je voulais l'aider, j'avais très peur pour sa vie. Mesdames et messieurs... M. Grafton, est-il exact que les ravisseurs vous ont réclamé une rançon de 150 millions? Oui, c'est bien ça. S'il vous plaît, dites-le. Non, écoutez les gars, il ne se passera rien tant que nous ne serons pas au bout de nos investissements. Si l'argent est rassemblé, le FBI se chargera de l'échange. J'ai l'argent, s'il vous plaît, dites-le. Pas de rançon, la police est contre ce principe, on ne cède pas aux terroristes. Terroristes? Vous avez dit terroristes? Non, je voulais dire ravisseurs. N'imprimez pas terroristes terroriste parce que j'ai bien dit ravisseurs. Les terroristes au Nebraska? Je voulais dire ravisseurs. Bon, maintenant, c'est terminé, rentrez chez vous, on ne vous dira rien de plus. Non. S'il y a du nouveau, on vous fera signe. Allez, venez. Je sens qu'encore une fois, ça va mal se terminer. Tu te souviens, l'année dernière, le gars qui a enlevé la vieille dame à Lincoln? Ah, oui, 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 celui qui l'avait découpé en rondelles. Oui, les fédéraux ont fait la sourde oreille jusqu'à ce que le gars se décide à leur envoyer les morceaux. Excusez-moi, si les flics obtenaient des photos d'eux, ça les aiderait? Ils en avaient l'année dernière. Le supermarché était équipé de vidéos, mais ça n'a servi à rien. Je vais te dire comment il fonctionne. Et toi, cachette, pas de corps, pas de déchets. Très juste. Déconne ou quoi?
chier. Tu merdes. Non, arrête de les mettre. Arrête ça, c'est chiant, la fin. Salut, joli cœur. Oh. Oh, relax, joli cœur. Carnet va pas te manger. T'as paumé quelque chose ou tu viens reluquer? Ariel, j'ai un puceau pour toi. Salut, beau gosse. Qu'est-ce que tu veux? Elle. Vos copains l'ont enlevée. Ils veulent de l'argent. Le FBI dit non. Et alors? Ils vont la tuer. Oui, ils sont assez cons pour ça. Ce sont vos copains. Vous devez faire quelque chose. Mon petit, ce ne sont pas mes copains. Je les avais jamais vus avant et je ne les ai pas revus depuis. Piché. On doit la sauver. Hein? Vous savez où ils allaient, non? Peut-être bien. Alors vous allez m'y conduire, je dois sauver Ginny. Eh, hey, mais pour qui tu te prends? Le justicier du paquet? Non, je sais exactement qui je suis, d'accord? Je suis le con qui marche droit depuis trop longtemps, mais qui n'a pas de nana embrassée. Tous les flics de l'État sont déjà à la recherche de ta petite amie. Et d'après ce que je sais, ils me recherchent aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on la retrouve avant que les flics la découvrent morte. Et si je dis non? Alors je porte ça aux flics. Pas avant que j'ai essayé de la libérer. Je reviens à 10h. Ce mouflet sent drôlement les emmerdes. C'est le genre justicier. Oh, je suis désolée, j'aurais pas dû le laisser rentrer. Mais... l'ai cherché. Tu crois qu'il va me donner? Je crois qu'il ne reculera devant rien. Il était très bel homme dans cet uniforme. Mmh. Oui. Tout va bien? Bien sûr. Viens, qu'est-ce que t'attends? Mais... embrasse mamie pour moi.
Salut, petit. Salut, toi. Vous êtes prêt? Je crois que oui. Reviens très vite, Mac. Toi aussi. Hé, petit. Ça, c'est un bisou chance. Merci. Chérie, mais sans eux à la fin. Très bien. Maintenant que t'as embrassé une fille, on pourrait peut-être y aller, non? Au revoir. Joli cœur. Carnet va te filer un conseil. Quoi? Si tu veux vivre longtemps, écoute bien Mac et fais ce qu'il te dit, il n'y a pas meilleur sur cette planète. Je sais que c'est plutôt tordu à comprendre, mais c'est pas du tout le gars que tu crois. Merci. La tienne. On devrait prendre la mienne. On ira plus vite. D'accord. Une minute, je reviens. Chérie! Merci. Je peux me détacher maintenant. Non. Je t'assure que je serai bien sage. Comment je peux le savoir? Je t'aime bien, moi, attachée. Pas ça. Pas ça. Pas ça, quoi? Ne fais pas de mal. Audi. Audi, détache-moi. S'il te plaît. Pourquoi tu n'irais pas chercher quelques bûches dehors? Bah, Kurt, j'ai déjà ramassé tout ça. Eh ben, va en chercher d'autres. Kurt! Audi! Bûche! Merde! Merde! Oh, j'en ai marre! C'est toujours moi! J'en ai ras-le-bol! Vous avez eu tort de jouer à ce petit jeu pisseux, ça pourrait mal finir. Je comprends vraiment rien à ce que vous me dites. Ouais, Audi, c'est pas une lumière, mais ça peut devenir une vraie charogne quand il veut. Je vous connais. Votre père vous a pourri gâté. Vous avez toujours eu tout ce que vous vouliez en pleurnichant. Mais évitez des moustillés, Audi, parce que je vous assure que ça pourrait tourner en vinaigre. Vous comprenez? Je ne connais pas les montagnes, et toi, petit?
Écoutez, je vois pas pourquoi on continue pas. Parce qu'on fait une pause. Mais on pourrait arriver avant eux et leur tendre un piège. Ouais, mais peut-être qu'ils nous en ont mijoté un. Vaut mieux arriver deux jours. T'as pris les photos? Vous en faites pas, elles sont en lieu sûr. Espèce de petit con. Mais si je les avais sur moi, qu'est-ce qui vous empêcherait de vous tirer avec? Et pourquoi je ferais un truc pareil? Mais parce que vous pensez que je suis un poids. Oui, c'est vrai. Si quelque chose arrive à Ginny, c'est pas important, pas vrai? Le seul truc qui vous intéresse, c'est votre cam, c'est tout. J'ai besoin de dormir. Dormir? Comment vous pouvez dormir? Il faut dormir tant qu'on peut, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Ouais, ma mère me dit souvent, tout ce que ton père a appris à l'armée, c'est de dormir et se battre. Ton vieux était militaire? Il était mieux que ça, compris? On ne porte pas ça sans l'avoir mérité. Il t'a rien appris, ton père? Hein? Il est mort. Mon père est mort. Je ne l'ai jamais connu. Pas savoir, je suis désolé. Au Vietnam? Ouais. C'est dur. Dingue, tu m'as foutu une de ces drôles. Donne-moi ce flag. Je dois apprendre à m'en servir. C'est trop dangereux. Et comment je ferais si on tombe dans une embuscade? Ce sera bien plus dangereux. Ce n'est pas un jouet. Allez, viens, tu t'exerceras une autre fois. Alors là, bravo. Rudy, retire ta veste. Ta veste, enlève-la. Ma veste? Que j'enlève ma veste? Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Madame, on recherche des fuyards. C'est votre fille? Non, c'est ma belle-fille. J'amène mon fils et je voudrais la présenter à notre famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait, vos fuyards? Bah, un peu de ci, un peu de ça. Il va faire sacrément chaud. Ça va être dur pour vous, madame. Ah, mais... Ah, oh, je voulais juste me dégourdir les jambes. Je suis désolé. Oh, ça doit faire mal. Ça va aller. Ça va passer. Ça va passer. Oh, faut penser à autre chose, hein. Ça fait moins mal. Oh non, c'est trop bête. Oh, ouais, je connais. Ça fait mal, hein. Du calme, du calme. Pas bouger, petite. Non, je suis vraiment désolé. Toutes mes excuses, mais j'avais pas vu que vos roupettes étaient si près de ma portière. Partez. Allez vite, bon voyage. Hey, encore désolé pour vous. Je vous ai dit de vous tirer. Oh, Kurt. Oh, Kurt. On est passé. J'avais l'air d'un clown. Reprends ça. On ne devrait pas être là. On devrait être dans notre maison. Chez nous, on a des chaussons. Oh, bon, Rudy. Rudy, raisonne un peu. Tu vois bien qu'elle est là. Oui, non, mais on peut la larguer. Ah, non, tu vas pas la détacher. Tu fous, hein, tu déconnes. Rudy, je vous suive. Mais tu
me prends pour un con, je l'ai vu. Ils ont une arme. Oui, bah nous aussi. On a même du pognon, alors arrête tes conneries. Bah, elle est très jolie. Oui, bah on en a rien à foutre. Faut qu'on se tire vite fait. Si ton copain et toi, vous alliez faire un tour. Aller faire un tour? Oh, non, Kurt, écoute-moi, j'ai une idée. On devrait tout larguer et rentrer à la maison. Moi, je crois plutôt qu'on devrait attendre ici 2 jours pour voir comment le vent tourne. Le vent? Pas toi. Oh, bah, peut-être. Bon. Non, évidemment, faut y penser. Je crois que je vais pas aimer ça. Coucou, je suis là. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Je voudrais bien... je voudrais aller au petit coin. Ah oui? Ben c'est pas moi qui t'en empêche. Prenez. Ouais, car non, c'était pour rire. Merci, Rudy. Tu sais, l'autre nuit, j'aurais pu essayer de m'échapper, mais je me suis dit que ça t'aurait fait de la peine. Tu sais... J'avais pigé. Rudy. Hein? Ça aussi, c'est pour rire. Je ne sais pas ce qui ne tourne pas rond chez vous, ma petite. Ou alors, vous êtes plus dingue que lui. Oh, non, non, Kurt. Tu sais, j'ai horreur quand tu parles comme ça. D'accord. Pas de problème. C'est bien toi le plus dingue. Lui, au moins, il est gentil avec moi. C'est pas un rabat-joie comme vous. Ouais, les gens étaient trop bons avec vous. C'est ça, votre problème. Bon, ben, si vous avez envie d'aller pisser un boc, les cagouins sont à côté. Sinon, eh ben, moi, je vous rattache tout de suite. Oh, tu qu'elle pisse dans un boc? C'est une fille. Vous êtes sûr que c'est là? Garnet se trompe jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on je. Pourquoi? Écoute... Juste bon à faire tuer ta petite amie si c'est pas déjà fait. Je suis pas d'accord. J'ai besoin d'être là, c'est facile à comprendre. Ouais, peut-être que t'as raison. Je te dirai et quand je te le dirai. Fraser, je rentre le premier. Si ça tourne mal, tu bouffes la moquette et tu te fais tout. La surprise est ratée. Maintenant, fais gaffe à ta peau, t'es pas Zorro. Qui vous prend? Où allez-vous? Mission officielle! Thank you.
mais tu vas te chercher, oui. Pourquoi on retourne à l'hôtel? Le portier a dû donner notre description au flic. C'est le seul endroit que Carnet connaissait. Puis, si tu veux savoir où vont tes ennemis, examine leur dernière planque. C'est ça qu'on vous apprenait au Vietnam? Vous n'aimez pas en parler, hein? C'était qu'un boulot, j'en ai changé depuis longtemps. Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Tu es déjà. Ça fait quoi? Très mal. Quand je parlais pas des autres, ça vous faisait quoi, vous? Très mal. Bla! Bla! Blum! Hé! Hey, on les a bien nus, hein? T'as vu ça? On les a bien roulés, hein? Ah oui, on s'en est bien tiré. Et comment va la pisseuse? Bah, elle est entière. Tu sais, je crois que je l'ai pas abîmée. Rondi! Ah, non, 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 pardon, je vais tout te raconter. Tu vois, j'ai dû... Enfin, elle était juste derrière, alors j'ai eu besoin de... Bla! Un accident! Mais c'est toi, l'accident! Espèce de débile! Au fait, comment tu t'appelles? Fraser. Non, tes copains, ils t'appellent comment? Fraser. Des fois, Fraise. Non, non, pas souvent. Mac. Cette fille dans le bar, chérie. C'est ta petite amie. Tu sais, chérie doit déjà être assise sur les genoux de quelqu'un d'autre. Il doit croire qu'il est seul au monde. Je suis amoureux de Ginny. Y a rien à redire là-dessus. Quand chérie m'a embrassé, j'ai pensé... que je l'aimais aussi. Bienvenue, chérie Paumé. C'est Bill Packer. Je l'ai bien assommé en épinard un certain temps. Oh, ça, j'en doute pas. Non, mais je t'ai dit que j'étais... Attention, mon futal. La paix, le calme, ça vous vit dans Jamaïque, hein. Ouais, c'est grandiose. J'adore pisser dehors. Bon, t'arrêtes tes conneries. Non, c'est vrai. C'est comme si on était les premiers à traverser ces montagnes. On est des pionniers. Et puis là, on vient de marquer notre territoire, juste là. Marc, c'est dommage qu'il neige pas. On aurait pu écrire nos noms en pissant.
vous faites quoi depuis votre tour du Vietnam? J'écris un bouquin? Non. Non, je pensais juste... Je pensais qu'on pourrait se connaître un peu mieux tous les deux. J'ai lu que... Les mecs là-bas prenaient pas mal de drogue. Ça dépend de ce que tu entends par drogue. On fumait de l'herbe, et alors? Ça nous donnait du cœur au ventre pour nous battre. Ça te dérange? Non. Non. Pour ton information, c'était pas de la drogue dans ce foutu sac. Non, mais Max, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ça n'était pas! C'était des timbres. Des timbres? Le genre collection d'enfants? Non. Ce que le gouvernement met sur les paquets de cigarettes et sur l'agneau. 5000 feuilles, 200 timbres par feuille. Seulement, ils venaient d'Argentine. Des faux timbres? Il y en avait pour un sacré paquet d'argent. Je suis tombé sur un avion écrasé en traversant le désert. Il n'y avait plus personne, mais il y avait cet homme. J'avais rencontré Carnet à Chicago, c'est comme ça que j'ai atterri dans ton foutu patelin. Elle connaissait deux gars dans le coin. Il avait besoin de fric. Elle a tout mis au point. Les choses n'ont pas été faciles pour moi ces deux dernières années, tu sais. C'était une chance de m'en sortir. Ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Comme le bordel que t'as fait à l'hôtel en gueulant dans le hall comme un sauvage. Ouais, je l'aurais même tiré dessus comme un dingue quand on était sur la petite route. Ouais, mais c'est con. T'as paumé la seule arme qu'on avait. Merci de m'avoir laissé faire des conneries. Personne ne me l'avait permis, personne. Dis-moi, ça fait longtemps qu'elle est dans le cirage. Tu crois que c'est normal? Ouais. Pendant ce temps, on est tranquille. Peut-être que je devrais la déboutonner un peu. Elle respire. Mauvaise idée. On va rentrer à la maison, c'est chouette. Hein. Tu viendrais te baigner avec moi? Non. Oh, tu viens jamais te baigner avec moi. Pourquoi on vit près de la plage si tu viens jamais te baigner avec moi? C'est parce que t'as honte de ton corps? Quel bijou! Ça faisait une paye que j'en avais pas vue. Vous pouvez la réparer? Bien sûr, mais pour la mettre en état, il faudra compter 3 ou peut-être même 4 jours. Une question, c'est à vous ce truc? Je peux pas croire qu'on puisse vendre une moto pareille. T'as bien donné la tienne à chérie pour un baiser. Une fois à l'intérieur, tu me laisses parler. Compris? Ouais, j'ai compris. Tu sais, je peux encore me débarrasser de toi. Eh, j'ai dit que j'avais compris, d'accord? Je voulais juste en être sûr. Hé hey, c'est pas vous que j'ai vu c'est ce matin. Exact. On a besoin de renseignements. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Hein, Hector? Ce sont eux? Ce sont les deux types dont tu nous as parlé tout à l'heure, hein? Non, pas du tout. Ces deux-là sont passés, oui, mais bien après les deux autres. Ah, je vois. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous deux, qu'est-ce que vous... Votre nom? Sheriff Gilbert? Une magouille de plus et ça pourrait devenir agent Gilbert, c'est compris? J'ai demandé à cet homme de sortir le recueil des appels et au lieu de cela, il a essayé de me corrompre. C'est de cette façon-là que vous apprenez la responsabilité civique ici? Fred, je... Ferme-la, Hector. Très bien. On peut savoir qui vous êtes. McDonald.
DEA, Division Ouest. Ah ouais. Pourquoi Hector a dit qu'il vous avait vu tous les deux virer dans le coin sur une espèce de moto gonflée comme deux sauvages échappés d'un asile? Je pourrais pas la mettre en sourdine. Alors, qu'est-ce que vous faisiez sur cette moto, hein? C'est parce que... C'est notre couverture. Notre couverture. Un con l'aurait deviné. Qui c'est celui-là derrière? Sweeney. Sweeney? Tu permets? Sweeney, division juvénile. Ah, je m'en souviens bien maintenant. En montant l'escalier, le petit a crié qu'ils étaient en mission officielle. C'est vrai, petit. 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 Je crois qu'il y a un truc que vous pigez pas bien, shérif Gilbert. J'ai eu plus de lettres de félicitations que tous vos cutéreux réunis, pas vrai, McDonald? Exact. Et c'est moi qui suis seul responsable de la descente faite dans l'Iowa. À des moines, on a mis la main sur 2 tonnes de cam. Vrai, McDonald? C'est exact, Sweeney. Et maintenant, shérif Gilbert, si on parlait de vous? Moi? Depuis un an maintenant, on file le train aux 2 plus gros revendeurs de drogue de la région. Alors, vous ne voulez pas que je découvre tout seul comment ils ont fait pour agir sous votre nez, n'est-ce pas? Je crois qu'ils te cherchent, shérif. La ferme! Je n'ai pas de temps à perdre, je trouverai tout seul. Un coup de main, shérif Gilbert? Non, doucement, pas si vite. C'est encore moi le shérif dans ce patelin. Alors, Hector? Le plus vieux des deux a téléphoné juste après leur arrivée ici, ce matin, vers 10h. Shérif, à votre place, je déclencherai un TXP 6049, immédiatement. Un quoi? Un TXP 6049, immédiatement? Et j'ai entendu, tu me prends pour un sourdingue ou quoi? Merde! Hé, hey, appelez votre standard tout de suite! Compris? June? June, oui, c'est le shérif. Oui, je suis chez Hector, là. Et j'ai besoin d'un... La liste de tous les appels longue distance de ce matin. Oui, j'ai besoin de tous les appels longue distance passés de ce téléphone ce matin vers 10h. Oui, oui, très bien, merci, Dieu. Voilà. Merci. Shérif, votre pays est fier de vous. Petit, faut pas faire attention à mon langage direct, vous savez ce que c'est. Petit, hein? Ah, je suis désolé, monsieur. Monsieur. Il est vrai, ton insigne? Oui, j'ai été gardien de nuit à mes moments perdus. Et j'ai oublié de le rendre. Tu vas? Il faut que j'appelle ma mère. Elle doit s'inquiéter. Tu sais qui je suis. Salut. Comment ça va? Tu es le gars qui a appelé ce matin, c'est ça? Fraser, où étais-tu passé? J'ai appelé 2 fois hier soir. Ah, c'est vrai? Je devais être dans la baignoire. Alors, t'es dingue? Pourquoi tu me rappelles? Alors, tout va bien. Pourquoi tu appelles? Juste pour vérifier l'heure du rendez-vous. Oh, je vais bien. Je voulais juste avoir des nouvelles. Comment va Mamie? Quoi? Mais t'as pas écouté tout à l'heure? Elle va bien. Oh, je te signale que j'ai appelé chez Billy. Sa mère ne t'a pas vu de la journée. Ah oui, j'ai passé la journée à la bibliothèque. Réservoir Hollywood, 9h tapante, après-demain matin. J'ai compris le réservoir. Fraser, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Hé, hey, qui est avec toi? C'est la radio, salut, je dois y aller. Maman, c'est la radio, je dois y aller, d'accord? D'accord, chérie, prends soin de toi. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Au revoir. Il faut qu'on aille à Los Angeles. Allez, en voiture. Qu'est-ce qu'il y a? On va aller à Los Angeles? Oui, pourquoi? T'as quelque chose contre la Californie? Non. Absolument pas. C'est la première fois que je verrai la mer. Super! On est presque arrivé à Las Vegas! Hey Kurt, quand on prendra de l'essence comme elle est KO, on pourra aller jouer aux machines Rôtier à sous dans les toilettes. Quoi encore? Ces machines, c'est pour les bougeux, d'accord? Les bougeux? Ouais. Voilà pourquoi. Bienvenue au Nevada, petit. Qu'on est? Chez des potes. Reste avec toi demain matin pour être à Los Angeles à 4h.
Mac. Oh, ça fait une éternité. Ah. Ça va? Oui, ça va. Oh. Anna, voilà Fraser. Il ne me quitte plus. Comment va, Fraser? Bien. Allez, venez. Oui. Oh, ça fait plaisir aussi. Oh, Anna. Tu n'aurais pas quelque chose à manger? Fraser a une faim de loup. Oui, bien sûr. C'est ton problème. Il a qu'à aller dans la cuisine. Je vais demander à quelqu'un de te faire à manger. Oui, d'accord. C'est au bout du couloir, petit. Hé, hey, Cindy. Tu veux bien t'occuper de lui? Il a une faim de loup. Salut. Moi, c'est Cindy. Alors, t'as si faim que ça? Allez, prends-la. Ben, qu'est-ce que je fais? Mais brouille-toi un peu. Ben, ça va, je me grouille. Bon, ben, je crois que c'est tout, hein. Ouais. Tu vas pouvoir fermer? Ah, fastoche. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Vous devez être mes nouveaux voisins. Je suis Madame Dawn, Dawn Johnson. Mais ça s'appelle D-A-W-N. J'habite la porte à côté. Salut. C'est ma petite sœur. Elle va bien? Oh, si, oui. Elle se repose. Oh. Elle sort juste du rebouteux. Salut, c'est ma petite sœur. Elle sort de chez le rebouteux. Le rebouteux. Qu'est-ce que tu voulais que je dise, Kurt? Salut, c'est quelqu'un qu'on vient d'enlever. Elle a été sonnée dans une bagarre. Non, non, non. Qu'est-ce que t'attends pour la larguer sur le divan? Le rebouteux. Hé, hey, Kurt, comment on va faire? Tu regardes bien, d'accord? Hé! Oh. Hey. Rudy, elle se fout de notre gueule depuis un moment, depuis Las Vegas. Mais elle... Tu veux bien foutre ça dans le crâne? Les gonzesses nous prennent tous pour des cons, des cons! C'est pas vrai, ça? Vous êtes des tarés, ça c'est vrai. Vous ne jouez pas avec mes nerfs. Et lui, chaque fois qu'il joue avec vos nerfs, vous le frappez, c'est ça? Elle a raison, c'est vrai, ça. Mazo, on est vraiment en Californie? Ouais, juste là-bas, c'est la plage de Venise. Il y a une grande promenade. Il y a des nanas en tout petit bikini. Et il y a aussi des pop-corns sucrés. Et il y a aussi des... Des bananes givrées. Givrées, hein? C'est une visite guidée. J'adore regarder un homme dévoré. J'aimerais bien aller à Los Angeles. Quitter ce coin paumé et aller m'installer là-bas pour le restant de ma vie, ce serait chouette. T'as de la chance. Possible. Mais on n'y va pas pour plaisir. Le plaisir est là où on le trouve, je l'ai toujours dit. Anna m'a demandé de m'occuper de toi.
Je croyais que c'était que pour le dîner. Alors, pourquoi tu vas à Los Angeles? Chercher une fille. N'importe laquelle? Ma petite amie. Elle s'appelle Ginny. Enfin, j'espère qu'elle deviendra ma petite amie quand on l'aura retrouvée. Tu dois l'aimer comme un dingue, Fraser, pour faire tout ce chemin depuis le Nebraska. Oui. C'est comme dans un conte de fées, hein? Peut-être, j'en sais rien. Dis-moi, ses parents ont dû déménager? C'est pour ça que tu vas là-bas, pour la chercher? C'est vraiment romantique. Non, elle a été kidnappée. Tu me fais marcher? Non. Fraser, t'es vraiment un héros, j'y connais rien. Non, je suis pas tout seul. Fraser, je voudrais te faire l'amour. Non, Cindy, c'est impossible. Tu vois... Tu voudrais bien faire l'amour aussi, non? T'as peur parce que tu ne l'as jamais fait avant. Moi, j'ai peur. Non, mais non, mais non, non. Je suis juste crevée, on a beaucoup roulé. C'est le voyage, c'est tout. J'ai envie de te faire l'amour. Et t'as envie de me faire l'amour? Tu sais ce que je suis, non? Oui. Peut-être qu'on devrait essayer de faire comme il y a très longtemps, quand vos pères vous amenaient dans un endroit comme ici pour votre anniversaire ou votre fête. Ne t'inquiète pas. J'ai tout ce qu'il faut. Anna est très stricte pour ce genre de truc. Et je suis plutôt douée. Tu verras. C'est mieux que tu apprennes avec quelqu'un comme moi. Ginny elle-même te remerciera. J'ai vraiment envie de toi, Fraser. Ça va être la toute première fois pour nous deux. C'est pas souvent dans cette maison que ce soit la fille qui mène la danse. Bonjour, Fraser. Ouais, bonjour. Salut, Mac. Je me sens super d'attaque.
Je sais pas pourquoi je pleure comme ça. Ça arrive parfois. Je devais travailler pour la fac, c'est foutu. Moi qui rêvais de rentrer à Columbia. De toute façon, j'aurais pas les moyens. Tout ça est arrivé si vite que... J'en ai même oublié que demain, ce sont les examens pour les bourses. C'est important. Sûrement pas autant que de retrouver Ginny et qu'elle m'aime. Merci d'avoir permis d'embrasser Chérie. Merci pour Cindy. Les femmes ne font jamais que ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas besoin de moi, tu sais. J'ai détesté d'être obligé de mentir à ma mère. Oui, je sais. Être un adulte, c'est pas seulement pouvoir embrasser une fille. Tu sais ce que je crois? Non, quoi? Je crois que devenir un adulte, c'est... C'est être obligé de choisir entre deux choses et qu'aucune soit parfaite. C'est tout à fait exact. Mac. Oui. On ne va pas retourner dormir chez tes amis ce soir? Non, je pensais qu'on pourrait dormir sur la plage. Tant mieux. J'ai besoin de me refaire une santé. Alors profite un petit. Oh, gêne de Cédale. Je vais chercher un bec d'aise. Je suis avec vous, je vous promets d'être sage, je vous assure. Pas question, pisseuse. Sûrement pas. S'il vous plaît. Vous ne connaissez pas mon père. Il est certainement très furieux contre vous deux. Je vous promets que j'essayerai plus de m'échapper. Je peux pas rentrer sans avoir vu Los Angeles. J'essaierai pas de vous échapper, je vous promets. Tu me prends pour un débile. Tu es notre prisonnière et on n'est pas là pour te faire plaisir. Alors, est-ce que Rudy et moi, on peut aller sur la plage? Non! Pourquoi pas? Il y a intérêt à ce que je vous retrouve bien sagement assis ici quand je rentre. Ça te dirait de la flotte? Plate ou avec des buts? J'ai pas soif, mais tu sais ce que j'aimerais, c'est prendre une douche, je me sens sale. Non, non, non. Oh, non. Je promets que j'essayerai rien du tout. Tiens donc, prendre une douche et puis quoi encore? Non, pas de douche. Je laisserai la porte ouverte et tu pourras m'entendre. Ah oui? Non. Non, non, non. S'il te plaît. Non. D'accord, mais tu me lances tous tes vêtements. Comme ça, je suis sûr que tu partiras pas.
vraiment être large pour porter ça. Don Johnson, D.A.W.N. Bien sûr. Bonsoir. Et la sœur de votre amie, comment elle va? Bon, elle va bien, oui. Bah, c'est que... leur bouteux, ça vous flanque par terre. C'est moche. Je ne sais pas, j'ai jamais vu de rebouteux. Je crois que ça n'existe pas chez nous. Ouais, ben, vous ne perdez rien du tout. Bon, faut que je rentre. Vous m'en voulez pas si je vous ennuie, mais c'est que c'est très dur de se retrouver dans une nouvelle ville sans connaître personne. Oh, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, je sais ce que c'est. Ah, vraiment, c'est super. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Oh non, oh non. Oh, Kurt, grouille-toi, on se tire. Les flics sont là d'une minute à l'autre. Il faut des canniers. Grouille-toi. Elle t'a filé dans les pattes, c'est ça? Oh, écoute, elle était sous la douche. Je te jure, je pouvais pas avoir les yeux partout, j'en ai que deux. Je lui ai même fait enlever ses sapes. Tu l'as laissé se tirer, espèce de... Oui, oui, allez, à vous. Oui, Kurt, j'avoue. Kurt, pourquoi tu m'as laissé si longtemps? Je suis allé téléphoner à son père. Il va faire la pige au flic et son avion arrive demain matin. Il nous amènera le fric. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'es vieux, te laisses sortir? Même toute seule? Aussi tard que j'en ai envie, j'ai presque 18 ans. Et qu'est-ce que tu vas faire? Très nassé pour l'instant. Peut-être trouver un travail. Faut que je m'assume, tu sais. Les filles du Nebraska sont plus libérées que je croyais. T'as un petit copain là-bas? Non, j'en ai eu, mais... ils sont moins libérés que dans la région. J'adore vraiment ta musique. Je t'ai dit que notre disque devait sortir dès l'automne prochain. Oui? Qu'est-ce que tu as comme genre de voiture? Oui, je voudrais savoir si vous avez un rapport sur une jeune fille qui serait venue se rendre. Et... son nom, c'est Jennifer Grafton. Oui, je suis son père. Du Nebraska. Merci. Merci. Non, non, non. Merci. Merci. Alors? Je te l'ai dit, la petite pisseuse doit passer du bon temps. Et s'il tombe sur elle? Et si les flics nous mentent? Tu peux me croire, les flics n'ont rien dans la cafetière. Son père est en chemin. Et toi et moi, on va lui trouver une petite fille en échange. Cathy, tu vas pas le croire! Il est trop mignon à souhait! Il est grand, blond, en plus il a une super bagnole! Oh, une BMW, tu te rends compte? Génial! Oh, et son frère nous a invités tous les deux à déjeuner demain au studio! Tu te rends compte? On se connaît depuis à peine 3 heures! Et Cathy, je téléphonerai à mon père dans un jour ou deux! Cathy, non, l'appelle pas, j'ai dit que je le ferai! Cathy, de quoi tu te mêles? Je te jure que si tu fais ça, je raconte à tes vieux que t'es plus vierge depuis la classe de 3e.
Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Foutez le camp d'ici. Doucement, je voulais juste... Qui voudrait être ce vieux truc, pauvre cloche? Je vous ai dit de vous tirer. Mac. 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 Non, non, c'est rien, je te devais bien ça. Merde! Qui m'a laissé tomber? Rien que ça. Je suis allé chercher à manger. Quand je suis revenu, tu dormais. Qu'est-ce que j'aurais dû faire d'après toi? Attendre que monsieur se réveille? Non, mais j'ai cru que... Faut les avoir. Doucement. Vous avez sur vous? Les mecs, j'ai bien l'impression que vous vous foutez de ma gueule. C'était histoire de parler. Mac, Mac Fettini!
passes derrière les bagnoles. Dès que ça tourne mal, je veux que tu dégoupilles, tu tires là-dessus. Et tu la balances sur eux, c'est d'accord? Je dégoupille, je tire dessus et je balance, ouais, d'accord. Tu dois descendre dans le ravin. Allez, Zoro. Force! C'est parfait. Voilà les timbres. Vous pouvez vérifier. Vérifie. Je le fais, patron. Je crois qu'on a fait du bon boulot avec vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est... ma petite sœur. J'ai bien l'impression que vous vous foutez de ma gueule, les mecs. Pas d'où tu viens, petit lardon, mais t'y retourneras plus jamais. Et elle non plus. Non, ne fais pas ça. Dans le futal mouflet. Oh, pardon. Je suis désolé, je croyais que vous alliez la tuer. Est-ce que ça va aller? Oui, je vais mourir. Tiens. Hey, Ginny, c'est moi. Fraser, ça va? Oh, merci. Oh, grand Dieu, merci. Vous n'êtes pas Ginny, mais d'où est-ce que vous sortez? Ohio. Mac, est-ce que ça va? Oui, ça me fera qu'un trou de plus dans le bras. Comment ça se passe là-bas? J'ai touché un type. Il voulait tuer Ginny. Seulement, c'était pas Ginny. J'y comprends plus rien. Los Angeles est un drôle d'endroit. You're my life, curse like a knife. When I see you talk to him, you're my soul, I'm out of control. 'Cause I've always been so crazy for you. I'm letting you know that baby, I can't let you go. Hey,
Mac? T'es réveillé? Salut, petit. Ils m'ont fait attendre toute la matinée. Comment tu vas? Je vais bien mieux. Et toi? Ça peut aller. J'ai fini par retrouver Ginny. Et? Et elle était avec un autre gars. Ouais. Elles sont toutes pareilles. Toutes, t'es sûr? Non. Une ou deux, c'est tout. C'était pas la bonne. Qu'est-ce que c'est? L'argent. Leur argent. Celui des types à la limousine, plus celui que Kurt et Roddy t'avaient volé. J'ai tout embarqué avant que les flics arrivent. Ils croient que tu m'aidais à retrouver Ginny. Mac, on est des sortes de héros. Même si ça n'était pas Ginny, on a réussi à la sauver. Et les timbres? Je les ai jetés dans le lac. Une partie te revient. Ah non, non, c'est à toi, c'est ta chance. Regarde dans la table de nuit. Je l'avais complètement oublié. Ouvre-le. Si jamais tu reviens au Nebraska. Ouais. Salut, Mac. Salut, Fraser. J'aurais aimé avoir un père comme toi. Merci. Fraser! Fraser est de retour! Où ça? Ouais! Mais c'est Fraser Sweeney! C'est lui! Fraser? Hé, hey, Fraser, tu reviens? Tout juste. Salut. Salut. Écoute, j'ai pas encore eu le temps de te le dire, mais ce que tu as fait, c'était super sympa. Bah, c'est vrai. J'aurais bien aimé l'autre fois à la parade te parler, mais je... Mais t'étais très occupée. T'inquiète pas, c'est rien. Oui. C'est vrai que t'as blessé un type. Oui. C'est trop, c'est extraordinaire, mince. Et quel effet ça fait? Très mal. Tu veux bien déjeuner avec nous, Fraser? Merci, Ginny. Merci, mais j'ai un truc à faire. Merci encore. Salut. Billy. Salut. Alors, je t'ai manqué ce week-end? Ouais. Salut, Sweeney. Salut. T'es de retour? Samuel, c'est ça? Ouais. Comment c'est ton prénom, déjà? Hilary. Hilary. Ouais. Fraser Sweeney est demandé dans le bureau du censeur immédiatement. Fraser Sweeney, merci de vous présenter. Merde, Fraser, qu'est-ce que t'as fait encore? À tout à l'heure. Allez-y, Fraser, il vous attend. Ah, Fraser, rentrez. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, Carnet. Comment ça va, petit? Bien, et vous? Je sais pas me plaindre. Je ne me suis jamais sentie mieux. Maman,
Assieds-toi, Fraser. Cette dame m'a apporté ce document pour vous. C'est, comment dire, l'assurance de pouvoir assister au cours de Columbia, l'université, durant 4 ans. Un logement et les livres vous seront fournis gratuitement. Oh, putain de merde! Et je voulais dire, c'est génial. Mes félicitations. Mais pourquoi? Pas pourquoi, petit. Qui? Est-ce que vous connaissez un certain monsieur? Daniel MacDonald. Oui. Maman. Je suis si fière de toi, mon fils. When sadness leaves me wet and cold.